Hello, chers Night Citizens. Cette semaine, j'aimerais que l'on parle un peu de l'histoire d'Arasaka. Cette méga-corporation est de loin l'antagoniste majeur du jeu Cyberpunk 2077, et fête cette année-là ses 162 ans. Si l'on peut avoir un bref aperçu de la férocité et de la détermination de son chef emblématique, Saburo Arasaka, vous verrez que le jeu est encore loin de nous donner tous les détails de ses ambitions. Nous nous attarderons dans cette vidéo sur deux angles de l'entreprise. Tout d'abord, son histoire, à l'aide de quelques dates et périodes emblématiques, puis nous étudierons les services que la corporation fournit, puisqu'il s'agit à la base d'une entreprise d'armement, mais vous verrez qu'Arasaka est implantée dans beaucoup d'autres secteurs très différents. Arasaka a été fondée en 1915 par Sasai Arasaka. A l'origine, celle-ci se destinait à la production de matériel industriel, mais la Seconde Guerre mondiale et l'engagement de l'armée impériale du Japon dans celle-ci permit à Sasai d'orienter sa production vers l'armement et l'équipement militaire. Armes, bateaux, avions, Sasai put soutenir l'effort de guerre tout en s'enrichissant des conflits armés. Cette opportunité permit à Arasaka de prendre une rapide ampleur, mais cette croissance aurait pu s'interrompre brutalement si Sasai n'avait pas prédit la défaite de son pays et l'occupation américaine sur le sol japonais. À la place, il décida de se tourner vers les marchés étrangers et de dissimuler le capital de son entreprise dans des zones hors de la portée des dirigeants d'après-guerre. Mais le 15 août 1945, à midi tapante, la prophétie de Sasai s'accomplit. Hirohito, alors empereur du Japon, prononce son discours annonçant la capitulation du pays face aux forces alliées. Pire, l'empire japonais s'effondre l'année suivante et la famille impériale renonce à son lignage divin. Cette nouvelle entraîne le suicide de plusieurs des grands généraux de l'armée japonaise, préférant le traditionnel seppuku à la reddition. L'un d'entre eux n'est autre que le fils de Sasai, Saburo Arasaka. Alors à l'hôpital pour panser quelques blessures de guerre, le jeune Arasaka se résout au suicide. Au milieu du bosquet de cerisiers en fleurs du centre de soins, il tient fermement son wakizashi, prêt à s'éventrer. La lame n'a à peine le temps de s'enfoncer de quelques centimètres que Saburo est pris d'une vision. Une vision qui va changer sa conception des choses et le fondement de ses croyances. Il saisit que son père, Sasai, détient une entreprise pouvant se vêtir d'une mission quasi sacrée. Arasaka Corporation pourrait, entre les bonnes mains, grandir, muter, se développer et rendre au Japon impérialiste sa volonté expansionniste. Plutôt que de dominer par la guerre, la conquête se ferait sur le secteur du marché. Le Japon pourrait, selon l'idéal nationaliste de Saburo, dominer les marchés mondiaux et influencer le monde d'un point de vue économique et politique. Parasiter les systèmes à travers le commerce, voilà la nouvelle mission que se donne Saburo Arasaka avant ses 30 ans. Il sort le wakizashi de sa chair et le soir même commence à étudier l'histoire, la politique et l'économie. Il poursuit cet apprentissage en entrant à l'université de Tokyo, Todai, en plus d'étudier le marketing. Sasai, de son côté, s'assure toujours que le capital de son entreprise soit verrouillé dans des comptes à l'étranger, à l'abri des regards indiscrets, afin qu'Arasaka n'éveille aucun soupçon et prospère dans la pénombre. En 1960, Sasai Arasaka s'éteint, et son fils, alors âgé de 41 ans, prend la tête de l'entreprise, déterminé plus que jamais à orienter Arasaka vers le destin qui lui a fantasmé 14 ans auparavant. Arasaka Corporation était encore une entreprise relativement modeste et commençait à peine à s'étendre à l'international. Saburo reprend les actions de son père et fait en sorte que la fortune mise à l'abri durant la guerre réintègre progressivement et discrètement les comptes de l'entreprise. La détermination du nouveau PDG de la corporation pousse celle-ci vers le haut. En 1970, Saburo crée Arasaka Security, branche de l'entreprise qui se dédiera à des services de protection haut de gamme et à la sécurité informatique, en plus d'étudier le secteur des technologies et de l'électronique. Il ne faudra que peu de temps avant que cette branche ne devienne l'une des branches majeures de la corporation, en parallèle à celle dédiée à la manufacture d'armes. En 1990, la corporation était déjà sur la liste des 500 fortunes globales, concentrant les 500 entreprises ayant le plus haut chiffre d'affaires au monde. Bien vite, les services de sécurité proposés par Arasaka étaient sollicités partout à travers le monde, de la même manière que son expertise en sécurité informatique se retrouva vite indispensable pour beaucoup d'autres entreprises et quelques particuliers. Mais l'homme ne s'arrête pas en si bon chemin, ses connaissances et ses études lui permirent de prédire l'effondrement que subit le marché mondial en 1994. Alors prudent, Saburo Arasaka a pu prendre les bonnes décisions et faire les bons investissements. Arasaka Corporation est ainsi l'une des seules entreprises au monde à s'être enrichie durant cette crise économique. À la fin du crash et des années 90, Arasaka occupe la deuxième place sur la liste des 500 fortunes globales. La corporation put étendre son influence en construisant à la même période son siège social européen, à Paris, en France.
À présent suffisamment puissant, Saburo développe au sein d'Arasaka Security une branche paramilitaire, formant ainsi l'une des premières armées corporatistes dont les services peuvent être loués. En parallèle, il passe à un capitalisme plus agressif, rachetant ou détruisant autant de concurrents qu'il lui est possible. La mise en place de son plan de domination et de rayonnement du Japon à travers sa corporation est en marche et sa détermination est inébranlable. Pire, c'est presque un coup d'état que réussit à faire Saburo sur la toute fin des années 90, puisque 60% du cercle politique japonais siège au gouvernement sont soudoyés grassement par la corporation et vont dans son sens. Simplement, ce monopole politique est stoppé net par la FAX, une coalition d'autres corporations japonaises formées pour nuire aux ambitions de Saburo. L'influence de cette alliance corporatiste entraîne l'arrestation d'un grand nombre de politiciens dont la corruption a pu être prouvée et Arasaka perd la majeure partie de l'influence politique qu'elle avait alors sur le Japon. Durant les années 2000-2020, Arasaka Corporation ne cessait d'accroître son marché, opérant sur trois secteurs, Arasaka Security, Arasaka Manufacturing et Arasaka Bank. Oui, la corporation propose également des services bancaires. En réalité, vu que son fondateur, Sasai Arasaka, s'était montré particulièrement doué pour cacher le pognon de l'entreprise et le sécuriser, c'est pas étonnant qu'ils en viennent à développer un secteur dédié. Durant cette période, Saburo Arasaka nomme son premier fils, Kei Arasaka, fruit de son premier mariage, à la tête de l'entreprise. Si en apparence, Saburo semble vouloir prendre sa retraite, en réalité, c'est toujours lui qui prend les décisions et les chuchote à son fils qui se contente de les appliquer. L'éducation de Kei Arasaka avait été pensée en ce sens. Saburo n'avait pas besoin d'un fils qui apporterait ses propres idées à la corporation, mais d'un héritier muselé qui suivrait parfaitement les directives de son père. En 2008, les services d'Arasaka Security sont employés par le gouvernement taïwanais, notamment l'équipe paramilitaire. Taïwan suspectait la Chine de vouloir l'envahir, puisque le gouvernement communiste chinois revendiquait déjà l'île comme étant sienne. De son côté, la République populaire de Chine engage Militech pour l'aider dans ses desseins. C'est la première trace de tension entre les deux corporations d'armement. Finalement, le conflit éclatera en 2010 et à Hong Kong, où Arasaka avait été engagé par la gouvernance locale pour empêcher la Chine d'annexer de nouveau la ville. La coalition d'Arasaka avec d'autres corporations put empêcher l'armée chinoise, soutenue par Militech, de prendre possession de la ville. Hong Kong put rester indépendante, mais ses quartiers étaient à présent partagés entre les différentes corporations l'ayant aidé. Arasaka s'assure désormais une influence politique sur la ville indépendante. En 2013, la branche américaine d'Arasaka subit une attaque terroriste pilotée par le célèbre rocker Johnny Silverhand sur son siège social à Night City. L'attaque laisse la corporation avec de lourdes pertes d'effectifs en interne, dont le responsable de la boîte américaine, Toshiro. En 2020, Arasaka s'assure un siège au gouvernement portugais. La corporation renforce son influence politique à l'étranger, même si cela lui vaut des tensions avec d'autres corporations qui ont le même objectif, notamment la corpo européenne Amazonian Security, qui espérait également s'assurer l'influence politique du Portugal. Les tensions entre les plus grandes corporations du monde s'intensifient à mesure que chacune d'entre elles place leur pion et certains prédisent un conflit imminent entre Arasaka et Militech. C'est finalement chose faite à partir de 2021 avec le début de la quatrième guerre corporatiste. Nous l'avions déjà abordé plus en détail dans la toute première vidéo sortie sur cette chaîne, c'est pourquoi je ne l'aborderai pas davantage. Retenez simplement que ce conflit entre Arasaka et Militech conduit à la mort de Kei Arasaka, premier fils de Saburo et à l'époque à la tête de la corporation. Mais cela conduit également à la destruction par un attentat à la bombe du siège social d'Arasaka à Night City et la corporation s'en retrouve grandement affaiblie. La corporation est bannie du sol américain et des sols européens. L'horreur de la quatrième guerre corporatiste et l'explosion de son siège social ont éveillé et alarmé plusieurs gouvernements. Au Japon, la corporation a bien failli ruiner l'économie locale par ses excentricités tant son influence était grande. Arasaka est donc réduite au territoire japonais pour les 10 années suivant la guerre et perd la majeure partie de son rayonnement international. Ce n'est qu'autour des années 2040 que la corporation commence à sortir la tête de l'eau. Désireuse d'en revenir là où elle en était, elle multiplie les efforts de développement et lave sa réputation à l'étranger. Saburo ayant repris la tête de la corporation, il établit une stratégie simple. Il vend ses services, mais sous couverture. Par exemple, les services paramilitaires d'Arasaka étaient loués à d'autres corporations plus mineures et, à la place de porter les uniformes et les couleurs d'Arasaka, ils portaient ceux de la corporation louant la protection. Invisible aux yeux du public et plus discrète, Arasaka put reconquérir du terrain et s'enrichir à nouveau. Simplement, la mort de Kei Arasaka, espérée comme l'héritier légitime de Saburo, a eu de lourdes conséquences en interne. La place de successeur est vacante et au sein de l'entreprise, trois figures peuvent y prétendre. Yorinobu Arasaka, deuxième fils de Saburo Arasaka et de sa nouvelle femme, Michiko. Hanako Arasaka, sœur cadette de Yorinobu, troisième enfant de Saburo. Et enfin, Michiko Arasaka, fille de Kei Arasaka et petite-fille de Saburo. Portant évidemment le même prénom que la nouvelle femme de Saburo, histoire de rendre les choses plus simples. Elle avait été désignée comme héritière de son père à l'époque où il avait repris les rênes de l'entreprise, donc Michiko Arasaka est aussi légitime que Yorinobu et Hanako Arasaka.
En découle une scission interne autour de trois factions, chacune supportant son héritier favori. Les Kiji, supportant Hanako Arasaka, qui reste dans la droite lignée de son paternel, mais ne motive pas réellement l'ambition d'être à la tête de la corporation. Hanako préfère simplement ne pas avoir à y penser et poursuivre ses expériences dans le domaine du netrunning. Les Taka, appuyant la succession de Yorinobu, l'enfant rebelle et renégat. Yorinobu a toujours voulu parasiter la corporation en interne, et les Taka pensent qu'il désire changer la face d'Arasaka en s'émancipant des fantaisies de son père. Son attitude rebelle lui vaut une tentative d'assassinat par son demi-frère, Kei, avant que celui-ci ne meure. Yorinobu fit mourir une de ses doublures et n'émergea de sa cachette qu'après la fin de la 4ème guerre corporatiste. Depuis, il espère bien parasiter la corporation autant qu'il vivra. Et enfin viennent les Hato, soutenant Michiko Arasaka, désireuse de voir Arasaka moins dépendante d'une seule figure, mais sous-divisée avec un pouvoir plus partagé. Les Hato forment la faction la plus mince, mais ont quand même leur influence. Malgré les divergences idéologiques en interne, Arasaka continue de grandir dans l'ombre. Elle lavera définitivement sa réputation sur le sol japonais lorsqu'en 2067, l'empereur lui-même est sauvé d'un attentat par un garde du corps d'Arasaka qui accepte de prendre la balle à la place de sa majesté. Son influence grandit après sa reconstruction et le monde oublie bien vite la culpabilité de la corporation. La guerre du métal, opposant la New SA aux états libres, permit à Arasaka de regagner Night City et même de ramener la paix. Alors que le conflit est sur le point de s'engager sur le sol californien, Arasaka montre son soutien à la coalition des états libres et dissuade Militech et le gouvernement Myers de rentrer en conflit de peur de créer une nouvelle guerre corporatiste ravageuse. Ce conflit est également détaillé dans la première vidéo si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, il fut accordé à Arasaka de reconstruire ses tours à Night City et de reprendre une influence sur la ville en échange de l'aide fournie plus tôt. L'influence de la corporation grandit de façon exponentielle les années suivantes. En 2071, Arasaka met un terme à une série d'émeutes à San Francisco et rétablit l'ordre. En 2074, elle détruit une cellule terroriste basée sur les vestiges de Rio de Janeiro au Brésil qui menaçait le pays entier. En 2076, elle est chargée de protéger un sommet corporatiste ayant lieu à Jakarta en Indonésie, déjouant 45 tentatives d'attaque et de sabotage. La corporation se forge une réputation nouvelle, celle d'une organisation capable de sécuriser, de maintenir l'ordre et la paix. Arasaka n'était plus celle qui avait défiguré le monde avec sa rivale, Militech, mais celle qui participait à sa reconstruction et à son organisation. En 2077, la fortune et les propriétés de la corporation sont estimées à 890 milliards d'euros-dollars, et Arasaka dévoile au public son dernier projet en cours de développement, le programme Protégez votre âme. Technologie qui permet de compiler la personnalité, la mémoire, l'esprit et tout ce qui définit en interne un individu et l'implanter dans un autre corps au tissu compatible. Arasaka séduit les plus riches mais crée un énorme débat éthique. Elle est la corporation qui pourrait bien annoncer la mort de la mort elle-même. Comme dit plus tôt, Arasaka est principalement divisée en trois groupes. Arasaka Manufacturing, Arasaka Security et Arasaka Bank. Ces trois branches de la corporation sont de loin les plus lucratives et proposent un tas de services divers et variés que nous allons justement étudier. Arasaka Manufacturing. Elle constitue la branche la plus ancienne de l'entreprise puisqu'il s'agissait du secteur d'activité de base d'Arasaka. La corporation fabrique tout un tas de produits, à commencer par l'armement et l'équipement militaire, navires de guerre, armes de poing ou fusils d'assaut, véhicules volants. Arasaka Manufacturing se charge également de produire l'équipement nécessaire à sa branche dédiée à la sécurité. La corporation produit de l'équipement informatique mais aussi des équipements cybernétiques. La technologie est un secteur dans lequel Arasaka excelle et bien des citoyens augmentés ont un système d'exploitation délivré par Arasaka dans leur cerveau. La branche cybernétique d'Arasaka n'est pas à sous-estimer et si les armes s'adressent généralement à un public assez restreint malgré leur banalisation à certains endroits comme Night City, les implants cybernétiques s'adressent à un public plus large. Ils y développent des armes comme les célèbres Lam Mantis mais également des implants plus utilitaires comme des paires de jambes, des bras articulés, etc. Mais Arasaka s'est aussi assuré un marché de manufacture générale, allant de la fabrication de pièces de véhicules à de l'équipement médical jusqu'aux jouets pour enfants. La branche de manufacture générale est issue du rachat de plusieurs petites entreprises par la corporation après le crash de 1994. Mais Arasaka conserve le nom de l'entreprise rachetée afin de ne pas associer ce type spécifique de produit à l'image militariste de la corpo. Acheter un jouet signé Arasaka serait de mauvais goût, mais si le consommateur ne sait pas que son jouet finance directement la corporation, il aura moins de mal à passer le cap. Arasaka Security. Cette branche concerne les services de sécurité de la corpo. Qu'il s'agisse de fournir un soutien paramilitaire, une garde rapprochée ou des logiciels assurant la sécurité informatique d'une boîte, Arasaka Security propose un large panel de services. Elle forme elle-même ses effectifs à la sécurité. Évidemment, cette branche de l'entreprise a une adresse moins diversifiée que la manufacture. Elle touche un public plus riche, des gouvernements ou des corporations. Depuis la création de cette branche, Arasaka ne cesse de gagner du terrain et d'assurer la sécurité dans beaucoup de pays différents. Les services de police d'Arasaka sont effectifs, par exemple, à Belfast en Irlande ou
ou à Honolulu à Hawaï, à Bucarest en Roumanie, mais aussi à Fukuoka, Nagoya, Hiroshima et Yokohama au Japon. Arasaka Security vend des caméras de surveillance, des capteurs d'intrusion, des systèmes d'alarme connectés. Elle peut même être embauchée simplement en tant que consultante. Une équipe viendra alors étudier votre environnement et vous conseiller pour améliorer votre sécurité. Les clients de Arasaka Security peuvent exiger des choses absurdes mais qui font la popularité de leur service. Ratio des différents genres parmi les effectifs, unités uniquement composées de femmes ou uniquement d'hommes, mais aussi des critères plus utiles comme les langues parlées par les agents embauchés, etc. Arasaka possède tellement d'effectifs qu'elle peut largement se permettre ce genre d'excentricité. Arasaka Bank. Cette troisième branche majeure de la corporation est cependant le service le plus restreint de celle-ci. Le système bancaire d'Arasaka est né des bons investissements de Saburo et son génie de l'analyse du marché mondial, des actions à prendre ou à céder et des domaines voués à grimper en bourse. Simplement, les services de la Arasaka Bank ne s'adressent qu'aux plus puissants, aux corporations qui ont du poids, aux clients fortunés, aux gouvernements désireux de trouver un endroit où mettre en sécurité leurs avoirs. Souvent, c'est Arasaka elle-même qui contacte avec qui elle veut collaborer. Ce n'est absolument pas un service qu'elle partage à tous. Toutefois, ce n'est pas parce que ce service est restreint qu'il ne pèse pas dans l'équation de l'entreprise. Manipuler des grosses sommes d'argent peut s'avérer rapidement plus lucratif que de vendre des milliers d'armes à travers le monde. Évidemment, Arasaka ne s'arrête pas qu'à ses trois branches, et je pense qu'à part Saburo lui-même et ses héritiers désignés, personne ne peut en réalité connaître tous les fronts sur lesquels l'entreprise est présente. Cachée parfois derrière des filiales portant des noms différents ou simplement discrètes sur ses plans d'action, la liste est sans fin. Arasaka occupe notamment une place dans le domaine spatial et possède des stations orbitales dédiées pour certaines à la recherche et l'évolution scientifique dans les domaines médicaux mais aussi dans les sciences technologiques. Les soins en orbite d'Arasaka sont un service coûteux mais à la pointe, vous ne pourrez espérer mieux pour votre survie. Arasaka est une hydre titanesque qui, si elle ne met en avant que trois de ses têtes, se révèle en posséder une myriade. La mégacorporation croît afin de réaliser l'ambition la plus folle de celui qui la dirige. Apporter une domination totale du marché afin de rendre au Japon ses ambitions portées par l'impérialisme déchu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien louper des suivantes. Je ne sais pas vous, mais moi l'histoire d'Arasaka me fascine en un sens. Surtout ce côté un peu prophétique de Saburo qui se donne une mission quasi sacrée, digne des plus grands vilains de la fiction. C'est un trope qui me plaît toujours, je crois, les folles ambitions révélées par une vision quasi religieuse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. D'ici là, chers Night Citizens, tâchez de survivre.